Maquillage naturel. Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on vous retrouve une fois de plus avec une vidéo crash test. On sait que vous adorez ça, on adore ça, enfin c'est toujours le même discours. Mais aujourd'hui on avait très envie de tester un produit que l'on a depuis un moment et que vous avez certainement vu déjà sur YouTube. C'est le Bubble Mask Carbonated Bubble Clay Mask. Voilà. on l'a vu très souvent sur des vidéos et ça nous tentait énormément de le tester. Donc on va le tester aujourd'hui devant vous et on va vous donner nos premières impressions. Si jamais c'est le cas aussi pour vous, que vous l'avez testé, n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. On a hâte de savoir ce que vous en pensez. Et puis bah écoutez... Et pour info, ah oui, il coûte 5 euros, on l'a payé 5 euros sur Amazon, donc on va vous mettre le lien vers le marchand pour que vous puissiez l'acheter si vous en avez envie. Et puis c'est parti! Let's go! Donc c'est un masque qui, sous l'action de l'air, va gonfler et il est censé purifier la peau, faire une peau glowy. Voilà, on va voir si ça marche. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a un petit cochon dessus. Donc, voilà, c'est bien mignon. Ouais, je sais pas si c'est très... Enfin, je sais pas comment on doit le prendre. Et donc, voilà à quoi ressemble le pot. Et il y a une petite spatule qui vient avec. Donc, on va se la partager. Vu que... Voilà. J'ai chaud. J'ai envie d'aller à Disney. Ça m'aurait étonné que tu me suives. Dit-elle, alors qu'elle est en train de m'envoyer plein de trucs sur Facebook. Ouais, quand est-ce qu'on y va? Je suis déprimée. Ça souffle comme moi. Ah. Oh. On dirait de la gelée. On dirait du jello. Mais en beaucoup moins sympathique. Ça se met le good. Eh, ça se met le good, hein? Ouais. Attends. Eh, ça sent bon. Je vais leur montrer. Et un plouf sur mon tapis. Et ça, franchement, ça se met le goût d'un. Enfin, il faut attendre 5 minutes qu'ils bubble. Et après, il faut masser les bubbles sur le visage pour que ça fasse une espèce de crème. Et puis après, il faut enlever. Ok. So, let's get started. Le fille qui se prend pour des youtubeuses américaines. On y va. Avec la petite spatule là. Petite spatule, non. Donc pas fine layer, ils ont dit. Donc pas en petite couche quoi. Non. Thick. Ah, faut faire un thick layer. Ah, c'est pas trop près du globe oculaire. Ah, ça fait des petits zigouigouis sur le visage. Ça picote. Ah, ça picote. Ouais. Enfin, ça picote pas, ça chatouille en fait. Ah, j'entends. Ça fait. Mais en fait, tu dois te dépêcher parce que ça commence à buller d'un côté et ça fait du bruit. Ah, j'ai l'impression que j'ai ma peau qui se décompose à côté. Salut les amis. Ah, ça picote. Enfin, ça. Comme si t'avais plein de petites bulles sur le visage qui éclataient quoi. Moi déjà la sensation de fraîcheur sur le visage j'adore. T'es un peu galère avec cette spatule hein. Ouais, la spatule est pas agréable, j'aurais dû emmener ma spatule en silicone. Ah, et ça peut être bien. Ah gna. Oh mais Joe la galère quand même avec ce truc. Ah par contre ça me gratte, mais c'est parce que ça fait oui. Des bulles. Ah oui. Oh, ça me gratte. Et moi ça picote, c'est horrible. Ça picote toi quand même? Non, ça picote pas mais ça chatouille. Fin... Oui, ça me chatouille, du coup ça me donne envie de me gratter. Oh, ça me gratte. Ça me gratte. Oh punaise. C'est une torture. Vous pouvez vous savoir. Ah, c'est surprising. Ça me gratte. Voilà à quoi on ressemble au bout de 5 minutes. Je pensais que ça allait bubbler un petit peu plus en fait.
Mais je sais pas si on a mis la dose. On savait pas s'il fallait mettre une couche épaisse ou pas. Non, je pense pas parce que sinon ça aurait encore moins bubelé. Déjà pour moi qu'il y a des zones où ça bubble pas alors qu'il y a quand même pas mal de produits. Enfin bref. Donc là 5 minutes sont passées donc il faut faire des massages circulaires pour faire pénétrer du coup le produit. Donc Céline, c'est parti. Je sais pas s'ils vont entendre. Est-ce que si tu le laisses, ça recommence à bubbler? Ah, je sais pas. Ouais, je massage juste. Massage. Je vois que ça bubble vraiment bien de ce côté-là, mais de ce côté-là, pas beaucoup. Ici, j'avais moins de produits. Donc je pense que c'est ça. Faut pas mettre énormément de produits. Voilà l'astuce. Ah oui, ça redonne bien. J'ai l'homme au masque de fer. Oh my gosh. Et tu vois là, ça bubble bien partout. Parce qu'il y a une couche plus fine. Ouais. Et après, on fait d'autres vidéos. Ah ouais, mais vraiment, ça compte vraiment bien. On ne voit plus. On revient, on est toute propre, on a nettoyé notre masque, c'était un petit peu compliqué à enlever, donc ouais, on a bien massé avant, on l'a retiré du coup avec un gant de toilette, parce que c'était un peu galère à retirer. Et en termes de sensation, donc, vous avez pu remarquer, ça nous picotait un petit peu parce que les bulles, du coup ça nous chatouillait le visage et ça nous donnait la sensation de voir se gratter, mais voilà, c'est vraiment la particularité de ce masque, sinon il y a pas grand chose à dire dessus. Il fait un effet, enfin moi j'ai ressenti un effet frais sur la peau pendant un bon 20 minutes après, comme si j'avais mis un glaçon et que je ressentais encore l'effet. Alors que moi pas du tout. Non, puis il y a aussi la chose, c'est que ça assèche vachement la peau, mais ça c'est comme tous les masques. Donc on vous conseille bien évidemment de vous hydrater après, mais voilà. Sinon, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. C'est juste marrant. C'est marrant à poser. C'est drôle. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver tout ça en barre d'infos. Et puis, nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Très, très bientôt. Un crash test, peut-être. Peut-être, qui sait. Peut-être, ou un tuto. Et voilà. Donc, on vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Salut, ciao. Au revoir, ça va. Et qu'on avait vraiment envie de tester, c'est réactivité, pardon. Ce sont ces deux produits. Pardon.